Hey, salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue pour la FAQ spéciale 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. J'espère qu'elle va vous plaire en tout cas, c'est parti. Hey, donc les gars, la FAQ va avoir lieu en 3 parties dans cette vidéo. Une première partie sur le futur de la chaîne, une seconde partie sur mes goûts et une troisième partie sur ma vie privée. J'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, comme d'habitude, le pouce bleu en commentaire. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos impressions par rapport à ces réponses à vos questions. On y va. Et tout d'abord, le futur de la chaîne, vous avez été très nombreux à me poser pas mal de questions sur le futur de la chaîne au niveau des séries, au niveau de la durée des épisodes, ce genre de choses. Donc tout d'abord, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y aura d'autres carrières sur FIFA 17. Sur cet opus, il y en aura encore quelques-unes, ne vous inquiétez pas. Je terminerai donc les vidéos sur FIFA 17 quand FIFA 18 sortira, donc on a encore le temps d'avoir pas mal de séries. On approche de la fin de la carrière à l'Ajax et Strasbourg, il restera encore une saison après la fin de cette saison-là, normalement. Ça dépendra aussi de vous et de vos retours. Je peux déjà vous informer que la carrière qui remplacera l'Ajax sera une carrière en Pologne. Et je prévois pour la suite, pour cet été, une carrière au Mexique. Et je prévois aussi une carrière en Turquie. C'est vraiment les endroits que vous m'avez donné le plus dans les commentaires. Donc voilà. Ensuite, pour une question qui m'a été donnée, est-ce que je compte faire partir d'une division 4 anglaise et aller en D1 J. Je pense le faire, peut-être pas sur FIFA parce que j'aurais pas le temps, mais j'y pense, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que ce serait intéressant pour moi. On m'a également posé pas mal comme question, est-ce que j'allais faire une carrière joueur? La réponse est non, je ne ferai pas de carrière joueur cette saison. Par contre, sur FIFA 18, vous allez en avoir une, c'est sûr à 100%, et ne vous inquiétez pas, mais sur ce FIFA-là, vous n'en aurez pas pour l'instant. On m'a posé aussi comme question, est-ce que j'allais faire du fut sur la chaîne? Le fut va arriver sur la chaîne, c'est très très prévu, vous aurez un pack opening pour les TOTS de la Ligue 1, je peux déjà vous l'informer, un petit pack opening, j'espère que celui-là vous plaira, donc j'attends que les TOTS Ligue 1 sortent, mais voilà, je vais donc ouvrir quelques packs avec vous pour le fun du fut, et ensuite on verra si dans les commentaires vous me donnez vraiment envie de faire du fut, j'en ferai, sinon pour l'instant je n'en ferai pas. Également on m'a posé quelques questions sur FM, l'avenir de FM, est-ce que je vais faire d'autres vidéos sur FM? Donc pour le moment la réponse est non, je ne ferai pas d'autres vidéos sur FM parce que tout simplement j'ai pas l'envie pour l'instant. J'avais peut-être une petite idée mais pour l'instant c'est dur à se mettre en place. Donc pour le moment les gars il n'y aura pas de FM, on a déjà fait une carrière de 51 épisodes pardon. Donc c'est déjà bien, vraiment c'est déjà très très bien. Mais bon voilà, si je fais une carrière FM ce sera des épisodes beaucoup plus longs et ce sera un épisode par semaine. Alors qu'avant c'était deux par semaine. Donc là voilà, niveau durée, enfin niveau épisode FM, il n'y en aura pas pour le moment. Et puis s'il y en a, ce sera beaucoup plus ponctuel. Également plein de questions, est-ce que je compte faire d'autres vidéos sur la chaîne que du foot? Donc est-ce que je compte faire autre chose que des résumés de matchs? Est-ce que je compte faire autre chose que la Dream Team qui vient de sortir? Est-ce que je compte faire autre chose que les carrières sur FM et sur FIFA? Pour l'instant, la réponse est non à ça. Je compte pas faire d'autre chose que ces jeux vidéo-là. Ou en tout cas, je compte pas faire autre chose que ma ligne éditoriale. Donc je fais une chaîne sur du football. Je continuerai à faire du football. Vous êtes abonné pour du football. Donc vous aurez du football, voilà les gars. Donc non, je continue pour l'instant à faire ce genre de vidéos. Peut-être, ponctuellement, pardon, de temps en temps, il y aura des vidéos hors série. En plus, normalement, vous en voulez. Mais ce sera très, très ponctuel et ce sera sur des jeux que j'aime moi. Et voilà. Mais pour l'instant, c'est pas trop prévu. Et les gars, je sais pas si vous avez remarqué aussi récemment, j'ai augmenté la durée de mes séries, étant donné que maintenant vous avez le droit à un petit peu plus de temps d'épisode. Donc avant c'était moins de 15 minutes la plupart du temps, maintenant c'est un petit peu plus, hein, c'est plus autour de 25 minutes. Et après ça dépend, hein, mais c'est plus autour de 25 minutes parce qu'on me l'a demandé et je l'ai donc exécuté pour vous. Et j'espère aussi que ça vous plaît. Et je finis sur une dernière question, la dernière question donc pour le futur de la chaîne. C'est est-ce que il y aura un tournoi FIFA, un tournoi FIFA? Alors un tournoi FIFA c'est prévu, j'en ai un de prévu depuis longtemps avec des collègues à moi. Il ne s'est pas fait pour l'instant alors qu'il aurait dû avoir lieu déjà en décembre. Ça s'est annulé, ça s'est annulé, c'est aussi de ma faute. Mais c'est vrai que je comptais vous faire un petit tournoi FIFA. Pour le moment on va devoir le décaler peut-être aux vacances d'été. Mais c'est vrai que c'est un projet que je compte faire pour au moins FIFA 17 et ensuite pour FIFA 18 pourquoi pas. Allez les gars, c'est parti, on va désormais passer maintenant au goût, les questions que vous m'avez posées sur mes goûts personnels, on y répond. De suite, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible, sans trop, sans trop parler dans les détails. Si vous me posez des questions simples entre telle chose ou telle choix, je répondrai l'un des deux.
Et puis c'est tout. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, première question. Est-ce que Lyon va passer contre l'Ajax? Écoutez, je n'y crois pas, mais je l'espère fortement. Vu qu'il y a eu 4-1 au match aller, je pense que ça va être compliqué, mais j'y crois pas. Franchement, je vous le dis franchement, j'y crois pas, mais j'espère franchement qu'on va se qualifier. Ensuite, est-ce que j'aime bien Dzeko? Oui. Manchester City ou Manchester United? C'est plus Manchester United. Est-ce que j'aime les belles colnouilles? Oui. Que penses-tu de l'OM? Je pense que c'est un bon club français qui est le seul à avoir gagné la Ligue des Champions. Donc c'est un très bon club. Poulet ou bœuf? Bœuf. Tu préfères le dentifrice à Tutti Frutti ou à la Manchoubi? Et pourquoi SD? Et aussi, quel est ton joueur préféré? Bisous. Alors, dentifrice, je ne répondrai pas parce que je comprends rien à ce qu'il raconte. SD, j'y répondrai plus tard dans la vidéo. Et mon joueur préféré, c'est Sergi Darder. Ensuite, quel est mon rappeur français préféré? Mon rappeur préféré français, c'est plus des groupes. Donc, j'ai deux groupes que j'aime beaucoup. Donc, c'est Aurel San et Gringe dans Casseur Flotteur et Big Flo Oli, que j'aime beaucoup, beaucoup dans le rap français. Donc, j'ai pas un rappeur préféré, c'est à chaque fois deux groupes. Voilà. Mon joueur préféré, comme je vous l'ai dit, c'est Sergi Darder. Mon joueur préféré à l'OM, il y en a pas. Et quel est mon joueur préféré entre Neymar, Bale, Messi et Ronaldo? Ben, je dirais Ronaldo. Encore une fois, on me demande mon joueur préféré, Sergi Darder. Et je ne supporte que l'Olympique Lyonnais. Je ne supporte aucun autre club à part l'Olympique Lyonnais dans le football. Hey SD, avec ton partenariat Coca-Cola qui tourne depuis maintenant longtemps, quand est-ce que tu comptes rendre l'argent aux abonnés? Tu pourrais au moins nous faire gagner des casquettes de Coca-Cola? Oui. Bon, écoutez, le partenariat hein, qui est présent sur la chaîne, vous le savez. Hein, d'ailleurs, le voici. Voilà, le voici, n'hésitez pas du coup à acheter beaucoup de coca. Et puis les casquettes, je les garde pour moi. Alors ensuite, on me demande quel est mon club préféré dans les 4 grands championnats. Donc bon, en France, bien sûr, c'est l'OL. Et dans les 4 grands championnats, je dirais en Espagne, il n'y en a pas. L'Atletico, je devrais en sortir un, mais c'est vraiment comme ça. En Allemagne, je dirais le BVB, donc Dortmund. En Angleterre, je dirais les Spurs de Tottenham. Et pour le dernier qui est lequel, qui est l'Italie, je dirais la Juventus, voilà. Depuis quand supportes-tu l'OL? Je supporte l'OL depuis que j'ai 6 ans, 5 ans, un truc comme ça, donc depuis toujours quasiment. Penses-tu qu'on peut gagner l'Europa League? Je pense qu'il faut déjà rabattre l'Ajax. Et merci à toi, Tico Tica. Et également, on pose la question, Boca Junior ou River Plate? La réponse est Boca Junior, mais j'en ai pas de préférence. Et donc, on va terminer avec cette question. Qui n'est pas une question vu que c'est 50 questions. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Sans bien sûr répondre le pourquoi du comment. Donc Star Wars je n'ai pas vu. Chocolatine, PSG, robe et doré. Marvel, Android, Harry Potter, Squeezie, Breaking Bad, LOL, Code, Chrome, Drama YouTube, Internet, Yennefer et Perdu. Merci à toi Mathis pour ces questions. Merci à toi, je te fais un gros big up. Et on va de suite pouvoir y aller du coup les gars pour la dernière partie de la FAQ sur ma vie privée avec la question comment je m'appelle, pourquoi SD, vous allez voir c'est incroyable. Bon déjà on me demande des questions un petit peu plus génériques genre quel âge j'ai. J'ai 18 ans, je suis né en 98 le 26 octobre plus précisément, je suis né à Castres pour ceux qui veulent le savoir, je vous dis tout. Est-ce que j'ai une copine? Je n'ai pas de copine, voilà, je suis célibataire, n'hésitez pas. Et ensuite, une question très intéressante par Drizik qui me demande donc est-ce que je pensais qu'il y a un an, j'allais avoir autant d'abonnés que 1000 la réponse est oui, je l'avais même prédit, donc oui, ça fait un petit peu présomptueux et prétentieux, mais non, je le savais, enfin, je l'avais un petit peu anticipé, je sais ce que je vaux, je sais ce que mes vidéos valent, et non, je m'attendais à ces 1000 abonnés en ce temps-là, je l'avais même prédit assez précisément. Et voilà, non, je suis très content en tout cas, et je vous remercie une nouvelle fois les gars. Et donc voilà, maintenant on passe au moment tant attendu, la question que tout le monde se pose, la question la plus importante. Où est-ce que j'habite? Bon, on s'en branle, ça en soi, hein, vous le savez très bien, on s'en branle. Je réponds quand même à la question, j'habite à Castres, enfin j'habite un petit peu à côté, mais déjà que Castres vous allez pas connaître, bah, alors je vous dis ça comme ça. Allez voir sur une carte de France où est Castres, et puis voilà, vous serez où c'est. Donc voilà. Maintenant, il y a la question tant attendue, pourquoi SD hein, qui est la base de mon pseudo pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, ça me paraîtrait un peu bizarre. Et comment je m'appelle? Bah, tout est lié, hein, déjà, tout est lié, les gars. SD, ce n'est pas mon prénom. Non, ce n'est pas mon prénom. Cela dit, ce sont les initiales de mon prénom. Hein, donc, c'est juste mon prénom dont on parle, dont on va parler. Comment je m'appelle? Voilà quoi, on va pas se mentir, c'est très... voilà, on va pas se mentir, c'est la question un petit peu... Ah! D'aujourd'hui, on va se quitter après cette question là, hein. Dites-vous que c'est quand même incroyable ce qui se passe. Donc, je m'appelle
Mon pseudo est SD car je m'appelle Simon David. Ah oui, je vous le fais en français, je m'appelle Simon David. Voilà pourquoi, génial, merci à mes parents pour ça. Je les aime quand même, hein. C'est un prénom qui voilà, il n'y en a pas beaucoup en France, on va pas se mentir. Donc voilà, je m'appelle Simon David, c'est très bizarre. Vous pouvez vous moquer de moi, hein, y a pas de problème les gars, hein. Gros big up à vous si vous vous moquez de moi, vous avez raison. Mais bon, voilà, on assume son prénom comme on peut, et je l'assume en marquant SD, voilà. Même si SD c'est plutôt moins stylé, on peut le dire, voilà, on va pas se mentir. Mais Simon David, c'est vrai que ça fait un petit peu moins cool, hein. Simon David, FM, un FIFA YouTuber, on va pas se mentir que ça aurait pas été ouf. Là que ce pseudo, il est pas ouf non plus. Voilà. En tout cas les gars, cette FAQ va se terminer. Je vous remercie une nouvelle fois pour les 1000 abonnés. Au moment où je tourne la FAQ, on est même 1100. Donc bon, voilà, ça monte, c'est très très bien, j'en suis très content, je vous remercie énormément. Je vous fais des gros bisous en tout cas les gars. Ben, on se retrouve demain pour la carrière avec l'OL. Pour ceux qui me regardent dans un autre jour, ben, je vous fais des gros big up à vous. Merci encore, je vous fais des gros bisous les gars. Tchuss!